Et par contre, on va encore tourner à droite et on va rentrer dans ce qui s'appelle véritablement le Charolais. D'accord. Tu as sur le grill. Ah non, on n'est pas voie de rentrée. Non, pas la passerelle. Donc voilà, si je prenais, vous voyez, ils ont mis un filet orange là-bas. Là, si je continue, il y a le filet orange, je retourne en gare, mais côté voie chiffre. Et du coup, nous, on reste sur cette voie de droite. Et là, on rentre véritablement dans ce qui s'appelle le dépôt des locomotives. Et vous allez voir les voies qui étaient utilisées, enfin, qui sont utilisées jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a encore des locomotives parquées. Et c'est, nous sommes vraiment dans le Charolais, et juste après le bâtiment. C'est Bercy là. Alors là, c'est, on n'est pas Bercy. Là, c'est vraiment Paris-Charolais. Oui, parce que je voyais sur le plan Paris-Bercy. Oui, alors c'est l'autre, c'est le nouveau grill qui va. C'est le nouveau. Qui est peint par là, non? C'est ça, il est de l'autre côté de la plateforme. C'est ça. Et donc ici, à votre droite, où il y a le bâtiment, il y avait anciennement là une rotonde. Donc la rotonde thermique. Et la suivante, la plaque. De toute façon, on ne les fait pas descendre. Non, le pont tournant, vous avez le silo bleu là, vous voyez le silo bleu, eh bien il y a une petite guérite d'ailleurs toute blanche. Cette guérite là, blanche, c'était la guérite de commande du pont tournant. Je vais aller au boudoir. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors c'est sûr que là il faut deviner que c'était sur un pont tournant. Mais effectivement il y a des immeubles partout. Des immeubles partout sur la droite. Mais si vous voyez sur la gauche, on voit bien le creux en fin de compte, hein, en arc de cercle. Ouais. Là on voit le filet orange. Hein. Et bien cette plaque que vous voyez là, elle pivotait. Elle faisait des 360 et toutes les voies de garage des locomotives, c'était à la place de ces bâtiments-là. Et on avait des retours à cette place-là. Ça, c'était la dernière. Oui. C'était la dernière en 2002. C'est ça.